Alors, la semaine dernière, si tu te souviens bien, nous avons parlé de la rupture vue par les hommes. Si tu l'as pas vue, je t'encourage à aller la voir. Alors, cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas se mettre du côté des filles et comment elles gèrent la rupture. Vous allez voir, c'est pas triste. Musique. Roger, faut qu'on me parle. C'est long? Bah oui, c'est important, pourquoi? Eh ben fou, je vois deux matchs, figure d'angoisse. Console. Eh tiens! Ben voilà, on y est. J'en ai marre, tu me respectes pas. Eh ben tu vois, quand tu veux, t'es raisonnable. Écoute-moi, Roger! Voilà, je te quitte! Quoi? Attends. Répète! J'ai dit je te quitte, j'en ai marre! Oh, et tu pars quand, figure d'un choix? Quand, ma foi? Ben dès qu'on a fini la conversation. Ok, ben on a fini. Ok, eh ben je m'en vais, voilà. Ok. Bon, je pars. Monique. Oui. Ouais, quand tu reviens, tu peux me prendre du ricard parce que je suis à sec. Connard. Oh. Ouais, c'est moi, je viens de lire ton message là. Tu peux pas me le dire en face? Putain, mais t'as quel âge, bordel? Bon, oui, c'est vrai, t'as 13 ans, mais pourquoi tu me quittais? Mais non, c'est des conneries, ça, l'amour n'a pas d'âge. Quoi? Ton père arrive? Allez, ciao, même les bonnes choses où tu le fais, hein. Puis qu'à me suicider, moi. Chérie, il faut qu'on parle. Je t'écoute, mon amour. T'as un peu blagué. Quoi? J'ai pas compris. Ça t'a dit? Ça m'a plu, la gueule. Ça t'a plu, la technique? Mais laquelle? Mais non. Il n'y en a plus des pépites. Ouais, c'est vrai, les temps sont durs. Hein. Ah, pardon, t'en peux plus, ça te pique, c'est ça? Mais où? Oh merde, laisse tomber. Eh ben tu vois, c'est que ça devait pas être si important que ça. Je le savais. Oui, ma chérie. Comment ça, tu me quittes? Quoi? Moi, je te trompe? Mais non! Comment ça, tu as des photos? N'importe quoi! Et on me voit embrasser la fille? Mais c'est n'importe quoi! C'est pas moi, c'est sûr! Quoi, ta sœur? Mais non, cette connasse avait juré de rien dire! Allô? J'ai plus qu'à me flinguer, moi. Chérie, faut qu'on parle! Charmant tout ça. Allez, viens là, bon morceau, viens cause à papa. Eh ben ça tombe bien, c'est de ça dont je voulais te parler. Je veux qu'on se sépare. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Viens sur les genoux à papa. Allez, fais-toi plaisir là. Non. Je ne supporte plus tes manières. Tu es vautré dans le canapé à passer ton temps à regarder la télé et à boire et à rôter. T'as oublié de lâcher une caisse. Dans le combo, c'est le plus important. Très bien, j'ai compris, je m'en vais. Oh là là, mais non. Oh, tu es susceptible, où tu vas encore? Depuis quand tu veux me parler, toi? Je te quitte, gros bâtard. Mais non, mais depuis quand tu causes, toi? Il n'y a pas que toi qui as le droit de parler, gros con. C'est la meilleure, ça tient. Moi, oui. Toi, tu es naze. Et on peut savoir pourquoi? Tu es un éjaculateur précoce. C'est trop court comme ta teube. Mais on s'en branle! Tiens, en plastique! Je te remplis, tu la fermes! Ça, c'était avant. Je me tire, connard. Donc, je fais le point. Je viens de me faire larguer par ma poupée gonflable. Et j'ai plus qu'à me jeter de la fenêtre, moi. Ouh, je sais, c'est malhonnête. Oh, c'est malhonnête, je les tourne à mon avantage. Alors, je te rappelle que la semaine prochaine, je fais un an de chaîne vidéo. Oui, un an que tu me supportes. Un an que je suis là. Et tu vas me supporter encore un moment. Soit rendez-vous, soit présent. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour les un an. Ciao.